Sur l'île de Majorque, une nouvelle action de protestation des résidents locaux contre le tourisme de masse. Sous le slogan « Occupons nos plages », une centaine des manifestants se sont rendus sur une plage très fréquentée et ont étendu leurs propres serviettes et slogans et ont occupé la bande côtière. De telles actions se sont produites régulièrement sur l'île cette année et le nombre de participants n'a cessé d'augmenter. Les résidents locaux sont mécontents de la forte augmentation des prix du logement, de la surcharge des services sociaux et des infrastructures à Majorque, ainsi que des conséquences négative pour l'environnement. Rien que l'année dernière, les îles Baléares ont accueilli un nombre record de 14 millions de visiteurs étrangers. Cette année, la tendance ne montre aucun signe de ralentissement, avec plus de 6 millions de touristes arrivant avant même la saison estivale, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à 2023. Les autorités locales, pour leur part, intensifient notamment la lutte contre les hébergements touristiques illégaux, en augmentant les amendes à 80 000 euros.